Chaboua. Alors, on ne vous présente plus, on rappelle quand même que vous êtes un académicien, bien sûr, depuis bientôt 20 ans, que vous avez eu le prix Interallié, le prix Renaudot, le prix du prince Pierre de Monaco pour l'ensemble de votre œuvre. Vous êtes l'auteur de à peu près 31 livres, je crois, un 32e est en cours, n'est-ce pas? Et que donc ce soir, vous êtes venu pour nous parler des femmes, de l'amour, et peut-être de ce qui est dans ce livre-là qui s'intitule « Une jeunesse perdue » au titre double, puisque la jeunesse, c'est peut-être la jeunesse du narrateur, et c'est peut-être aussi cette jeunesse, Valentina, qui l'a fait vivre peut-être pour la dernière fois. Et un jour, j'ai découvert cette chose terrible. J'ai découvert, ça va vous paraître bizarre, qu'elle me trompait. Et pire que ça, elle me trompait avec un crétin. Et après, j'ai remarqué que les femmes vous trompaient toujours avec des crétins. Je ne sais pas ce qui leur prend, mais vraiment. Quelles sont les qualités requises pour être une muse de Jean-Marie Rouard? Il faut essayer. Pas, ça peut marcher. Ah, mais c'est pas à tous les coups on gagne. Hein. Mais si les écrivains ont autant parlé de l'amour, je crois que c'est simplement parce que c'était une nécessité du lecteur. Le lecteur, au fond, a besoin d'exciter son imagination. Et c'est vrai que la littérature remplit ce rôle d'excitateur. C'est la phrase de La Rochefoucauld qui disait « Il y a des gens qui ne seraient jamais tombés amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. » L'amour et l'écriture, évidemment, là, c'est un peu mon sujet. Au fond, je ne vois pas ce qu'il y a d'autre dans ma vie, si ce n'est l'amour et l'écriture. Et je crois que on pourrait faire une comparaison, parce que écrire, d'une certaine façon, c'est vouloir étreindre. C'est vouloir étreindre quelque chose qui vous échappe. C'est vouloir essayer, dans son inconscient, de trouver tout ce qu'il y a de trouble au fond et de lui donner une forme, si possible, la plus belle forme possible. Et c'est un grand avantage, c'est un privilège des écrivains, peut-être, c'est que tout le monde est malheureux. Il y a des gens qui me disent « Mais est-ce que vous croyez qu'il faut être malheureux pour écrire ?» Tout le monde est malheureux. Je ne connais personne qui ne connaisse pas le malheur. Sinon, c'est des gens complètement indifférents, c'est des brutes épaisses. Donc il y a, je crois, Jean-Marie, 3 ans, vous avez eu un incident cardiaque alors que vous étiez en Corse. Je vous remercie de raconter ça à tout le monde. Pour une fois, j'allais dire un incident cardiaque médical. C'est vraiment commode après pour draguer. Non mais là, vous êtes au top. Je le confirme, vous ayant pratiqué déjà depuis 24 heures. Je vous en prie. Comment vont faire les jeunes femmes qui ne pensent qu'à Mythique, Internet et tout? Comment va se passer la séduction et le reste? C'est une excellente question. Alors, est-ce que c'est la vie amoureuse? Ou est-ce que nous n'entrons pas dans les romans de Houellebecq? Voilà, c'est ça la question. C'est-à-dire, c'est plus tellement la vie amoureuse, je pense, c'est le sexe. Je ne suis pas contre. Comprenez-moi bien. Alors, est-ce qu'on fait un rapide sondage sur les femmes tempêtes, les femmes fleurs, les femmes fontaines, pour ceux qui... Puisque c'est qu'on a envie de savoir. À quelle catégorie on appartient? Les femmes fontaines, ça appartient. Ah non, non, je n'ai pas dit. Elle n'est pas jouée dans les catégories. Vous me troublez. Ça doit être ça. J'espère bien, mais. Alors.
Continuez, enchaînons. Alors, je voudrais terminer par une citation. Bernard Shaw disait « Voir un écrivain après avoir lu un de ses livres, c'est voir une noix après avoir mangé du foie gras. »